C'est la famine en bas, ils se font des repas dignes de Mugiwara. Je rugis ma rage, fils de, je danse ma folie comme Okonemara. Un corne à la main, je risque de finir comme Molière à l'âge des légendes dans les cages, perds cependant. On est sage, mais ça dépend de qui fait couler le premier sang. T'es le centre du monde, nous, on trempe dedans. Tu nous freines dans notre élan, j'ai le plan de Jules Verne sur mon écran. Hey, juste du verre est étrange, mon corps est étanche. Et mon cœur est immense, j'aime le monde éperdument. On tremble les Templiers, je veux graler l'or de Salomon. J'empirerai les salles et ferai l'aumône, éternellement voir le Templier. Mais pour ça il me faut des alliés, c'est ça l'idée, qu'on soit alliés. La vie est un pari, alors parions pas. Risquer de rien faire annihiler les ennemis comme Naruto en perd ses amis. Et construire un avenir sans fou allié. Hey. Merci d'être venu pour la projection de Poète ce soir. Donc on voudrait remercier le Cinéma Le Moderne pour le prêt de la salle, encore pour une avant-première qu'on a fait. Merci à eux. Donc, c'est même pas pour moi, donc. Donc il y a quelques temps en arrière, il y a un petit jeune qui s'appelle Tommy qui était venu nous voir avec une belle idée, une belle histoire, qui nous l'a proposé. On l'a lu avec Fabien et Virgile. On a super adoré, et du coup... C'était chaud quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a dit que c'était chaud, mais bon, on a vraiment accroché l'histoire, et on lui a fait confiance, il nous a présenté des acteurs, des techniciens, on est parti avec lui, on a fait l'aventure, et ce soir, vous allez regarder le résultat, ça va être vraiment exceptionnel. Vraiment. Non, ça va être une bonne histoire, vous allez voir, vous allez vous régaler, vous n'avez pas le droit de temps passer. Donc, on va appeler les deux co-réalisateurs, co-réalisateurs qui sont Tommy Libaïk et Maxime Devoir. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. On est très très heureux de vous présenter ce soir le résultat d'un travail de 2 ans. Moi, depuis que j'ai commencé à écrire et après, quand j'ai rencontré Andera, je leur ai proposé ce projet. Ça a été une aventure vraiment humaine, exceptionnelle. On avait ça avec beaucoup d'amis, beaucoup de force, on va dire, jeunes. Donc on est très heureux de vous présenter ce projet, voilà, plein de flammes, plein d'envie. Et on espère que ça vous plaira. C'est 5 épisodes. Voilà, c'est un format, on va dire, mini-série qui va vous raconter un petit peu l'épopée de personnages qui entrent un petit peu dans la vie réelle. Et ça a été donc co-réalisé avec Maxime Devoix, donc je vais lui laisser un peu la parole. Et puis après, bonne soirée, merci. Bonsoir à tous. C'était une très très belle aventure humaine. Merci encore Andera de nous avoir suivis sur ce projet, parce que je pense que n'importe quel autre producteur au monde n'aurait pas suivi un projet comme ça. Il n'y avait que vous, pour suivre ça. Non, on va abréger. Bonne projection à tous et merci beaucoup d'être venus. Donc le déroulement de la soirée, on va projeter 3 épisodes. Après, on aura une petite pause d'un quart d'heure pour aller se dégourdir les jambes, aller fumer du clope. Et après, on finira par les 2 derniers épisodes. Donc on va commencer à la visu. Par contre, j'ai une petite requête. Fessal, si tu peux te lever, s'il te plaît. Voilà. Ok. Non, reste là. Non, reste là. Maintenant, tu vas te retourner. Et regarde en haut à gauche. Oh, salut. Maintenant, déjà merci, bonne projection à tous et à tout à l'heure.
C'est la soirée qui veut ça, tant pis. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. Pour certains qui se sont vus, c'est cool. Je pense surtout à Polo. J'ai adoré le rôle de Polo. Et aussi celui de Virgile, bien sûr, parce que c'est trop extraordinaire. Parce que c'est mon pote, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc, bah ouais, merci donc à tous nos partenaires, qu'ils soient gros ou petits. Ah, on les a vus de toute façon notifiés là. Et il y avait le Plo qui était ici avec Super U. Donc ils ont dû partir parce qu'ils travaillent. Enfin, surtout le Plo parce que Super U, lui. Donc pour ceux qui veulent, je leur fais un peu de pub parce qu'ils sont sympas. Le Plo est gratuit ce soir. Donc vous pouvez y aller à partir de 1h du matin. Voilà. Donc bah, on pourrait remercier aussi et on va les appeler. Qui vont venir donc sur la scène, c'est tous les acteurs donc de Poète, s'il vous plaît, venez vers moi. Donc Camille. Pardon. Donc tu dois mener à la baguette, donc on va appeler Max de Wacky. Et donc, bah, et cette baguette, donc il l'a tenue aussi grâce à un auteur fantastique, un bureau de travail, quoi, c'est quelqu'un de merveilleux à qui on a vraiment nous, on dira. On est vraiment travaillé avec lui, je suis ému parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tommy Libaïk. Donc ben il y a l'équipe du Patmol, hein, pas moi qui sont ici. Et je vais appeler donc Virgile, Verbe et Fabien Kiamani. Voilà, je voulais déjà vous remercier tous d'être venus ce soir pour découvrir un peu le fruit de ce travail de 2 ans. Ça a été un fruit, enfin un travail de ça a été un travail de longue haleine. J'ai eu une chance incroyable et j'en ai tout à fait conscience de pouvoir rencontrer sur ma route des gens qui m'ont énormément tiré vers le haut. Je suis un peu ému aussi. Que ça soit déjà mes potes, mes frérots, mon frérot Maxime, qui a co-réalisé avec moi, avec qui j'ai fait énormément de projets avant celui-ci aussi. On a pu faire plein de trucs super et tous ces super acteurs. C'est des gens que j'ai rencontrés depuis mes 18 ans maintenant que je suis arrivé à Montpellier. Ça a été vraiment quelque chose de très particulier de pouvoir se faire sur un mois comme ça de tournage, de revoir toutes ces personnes qui ont beaucoup compté dans mon parcours et qui ont accepté de revenir pour faire des petits rôles, des petites apparitions parfois, des plus longues aussi. Donc ça c'était voilà, juste dingue pour moi. Derrière Poète, on a pu monter donc, ce qui s'appelle aujourd'hui le Patmol Studio, qui est un groupe voilà, de toutes ces jeunes personnes qui ont envie de faire des projets, qui ont envie de tenter des choses, juste de pousser un petit peu, même quand on nous dit que c'est impossible. Et voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toutes ces personnes, et évidemment ces super producteurs, Ander Andera, qui sont les seuls qui auraient pu accepter un projet aussi fou, et ça a été vraiment super de taffer avec vous et de pouvoir autant me livrer, autant partager et que vous me fassiez autant confiance pour ce qui a été du casting, ce qui a été de l'écriture, de la conceptualisation. Et voilà, il y a des gens qui ne sont pas encore sur scène mais que j'aime énormément et que j'avais envie de leur adresser un message aussi, c'est mon Polo. Oui. Des années après, et puis mon David aussi, David Béret, qui est un monteur incroyable. Oui, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Paul, il a fait l'image,
coup, c'est le chef opérateur, directeur de la photo, et David, il a fait le montage. Voilà. C'est des petits génies aussi, voilà, ils sont super. Gros travail. Claque. Merci à toute l'équipe, et voilà, c'est tout pour le monde d'amour, j'arrête. C'est vrai que tu parles. Après, on pourrait citer tous les techniciens, je pense, tous les techniciens, les figurants et aussi. Effectivement, c'est toute une équipe. Voilà, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ceux qui ne connaissent pas l'envers du décor, mais c'est beaucoup de personnes sur un mois de tournage. C'est un gros défi à la fois technique, humain, avec les moyens qu'on avait. Voilà, il faut savoir aussi qu'on est parti avec des moyens limités, mais avec beaucoup de volonté. Bonne volonté, et voilà, donc c'est vraiment, c'est, comme tu disais, c'est un travail assez gigantesque, plein de personnes différentes, voilà, pas sur cette Afrique, mais sur Montpellier, sur Cahors, enfin je veux dire, là, on est très fiers aussi que ce soit quelque chose qui soit d'Occitanie, c'est-à-dire que le projet, voilà, il n'y a pas énormément, je dirais, de projets, enfin nous, on est super fiers, voilà, mais avec Patmol, avec Sandai, avec d'autres boîtes, d'essayer de faire que, en Occitanie aussi, en dehors de Paris, des grandes villes, on puisse produire et on a des projets, on a des jeunes talents et des moins jeunes talents. Je suis désolé. D'accord, bravo à tout le monde. Ouais, bravo. Et merci à vous. Alors, si vous avez des questions. Vous pouvez. Et juste, bon, en aparté, il y a. Bon, on va nous boire un coup au com. Du coup, donc ceux qui veulent venir viennent et tout ça. Donc, ça serait bon enfant. Voilà. Il aurait décompressé parce que ça fait du bien. Parce que moi, j'étais dans le stress. Parce que c'est la première fois là. Ils m'ont laissé. Ils m'ont dit, Lolo, c'est toi qui vas faire ça ce soir. Et... Est-ce que tu payes toujours ta tournée? Je crois que j'ai un petit peu mal au ventre. Et pourtant, donc du coup, ce soir c'était l'avant-première. Donc demain, les épisodes seront diffusés donc sur YouTube, puisqu'on n'a pas trouvé ce diffuseur d'ici là. Donc ça sera sur la chaîne du Patmol. Très important. Donc si vous avez aimé, de partager. Puis c'est toujours le même nerf de la guerre et le combat. C'est plus on aura de vues, plus ça fera parler du projet. Plus peut-être derrière des diffuseurs seront intéressés. Donc voilà. Mais un peu sur oui, très toi. Important aussi, c'est que la chaîne que tout le monde suit, je veux dire tous les jours, voilà, via Occitanie, qui va diffuser effectivement sur la télé et sur leur plateforme internet la série plus tard, en décembre. Et d'ici là, effectivement, on a déjà les diffuseurs intéressés. Et c'est le début. Parce que là, c'était vraiment l'avant-première. Et à partir de là, je pense que on souhaite longue vie à Brett. D'accord. Ouais. Vous avez des questions, c'est toujours compliqué. Ouais, à chaud, à chaud. Des remarques. J'ai pas vu une saison 2. Faites tourner à fond sur YouTube, les gars. Je ferai peut-être une saison 2 après. C'est toujours pareil, une saison 2, ça demande. Pour faire première album. Ça a déjà beaucoup demandé de budget, et on était vraiment très limite pour faire une saison 2, mais il faut qu'on ait un peu plus de budget. Donc ça marchera forcément que si la saison 1 a fonctionné. Sachant qu'on a très peur aussi, Tommy a sûrement une saison 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Et... Bon. Déjà le niveau de la saison 1, c'est beaucoup de travail, voilà. Et je crois que c'est la saison 2 qui arrive. Voilà. Avec encore une suite, du coup. Sinon, on prend autre chose. Ouais. Oui, il n'y a pas d'histoire, c'est un jeune talent. Je sais pas, peut-être pas les chevilles, vous n'avez pas un. Ouais, Camille. Ouais, si tu veux poser une question aussi. Camille fait ça, la première fois qu'il fait ça. Le professeur fait ça, il y a ses parents qui sont là. C'était une super aventure. Non, par contre, on s'est beaucoup amusé. Moi, je trouvais que c'était plus un jeu. J'ai tissé des liens aussi rapidement que quand on est en colonie de vacances, quand on est enfant, et qu'on se rappelle de ce gamin toute notre vie, de ce mimou, de je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on a rencontré que pendant un mois, pendant cette colonie, mais qu'on se souvient toute sa vie, tu vois. Mais là, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu cette colonie de vacances. Et d'avoir rencontré une bande de potes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Yes.
assez cool. C'est une super expérience. Voilà, ce qui est génial, c'est que moi, du coup, il y a certaines personnes que je connaissais déjà avant, d'autres moins, mais du coup, aussi bien par ceux que je connaissais avant que par ceux que je connaissais pas, j'étais vachement surpris par l'investissement qu'ils ont mis au niveau déjà des répètes qu'on a fait un petit peu avant, et ensuite au moment de tourner certaines scènes clés qui n'étaient pas faciles. Oui, je parle un petit peu. Ça a été surpassé même par rapport à ce qu'on attendait, donc ça c'était chouette. Et voilà, c'est la première fois qu'on faisait un projet aussi cadré avec un budget comme ça, et je pense que c'est bien d'avoir fait des producteurs qui ont accepté un projet comme ça. Je pense que ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont jeunes dans leur tête encore. Comme ça que ça s'est accordé. Allez, on va faire tout. Ils payent sans coup. Non, c'était super. Hâte de faire la suite. Que ça soit poète ou autre chose. Finalement, ouais, ça s'est super bien passé. Je pense que Tommy a été un fantastique directeur d'acteur, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous a fait beaucoup travailler. Notamment, il a pris le temps de faire des résidences, et c'est vrai que sur tous les tournages, on n'a absolument pas le luxe de se payer des résidences, ou de pouvoir faire des résidences, et d'avoir quelqu'un qui nous a fait confiance, et aussi pédagogue, et qui m'a donné personnellement envie de continuer là-dedans. C'est grave du kiff, quoi. Merci. La plus grande fierté qu'on a, nous, donc, sur cette série, c'est que Camille, qui est ici, a intégré donc, le plateau de Julie Aizard à Montpellier, qui l'a prise dans son école d'acteur. On est vraiment fiers de ça, parce que moi, on a servi à quelque chose. Et j'espère pour elle, elle a une longue vie là-dedans, et vraiment, elle est fière d'elle. Bravo. Voilà, donc on vous remercie tous. Pour ceux qui veulent le locop, nous on y va tous. C'est vrai que là, on va aller voir tous ensemble. Voilà. Et donc, merci vraiment. Merci.